Et j'ai le grand plaisir d'accueillir à présent Jules de Balincourt. Jules de Balincourt, qui est de nationalité franco-américaine, qui vit et travaille à Brooklyn, qui est représenté par plusieurs galeries d'importance aux États-Unis et dans le monde entier, la galerie Thaddeus Ropach à Paris, Victoria Miro, Londres et Salon 94, New York. Son travail fera l'objet d'une importante rétrospective au Modern Art Museum de Fort Worth, Texas, très bientôt. Et je pense que le titre que Jules de Balincourt a choisi pour son exposé a sans doute quelques rapports avec le fait qu'il soit à la fois entre la France et les États-Unis. Et j'ai donc le grand plaisir de lui laisser la parole maintenant. Touriste accidentel, Jules de Balincourt. Je veux remercier le collège de me recevoir, et un grand honneur. Et je vous préviens juste aussi que moi, ça fait 30 ans que j'habite en Amérique, alors mon français, parfois, il y aura peut-être des mots qui sont un peu de franglais. Je vous préviens juste, alors j'espère que vous pouvez tolérer. Et aussi, pardon ? Ça marche très bien, c'est bon ? Et d'ailleurs, j'ai chaud, je peux enlever ma veste ? Alors, je montre cette première image parce que c'est pas que des images de mon travail, il y a aussi d'autres images qui m'ont inspiré et qui expliquent un peu mon trajectoire. Ah, pardon. Alors, oui, alors je commence un peu pour expliquer un peu mon trajectoire, pour essayer de comprendre mieux mon travail. Oui, je suis né en France, mais j'ai vécu la majorité de mon temps en Amérique. Et voilà une image pour moi. Je montre cette première image parce que je m'imagine, moi, étant artiste, comme quelqu'un qui transmette ce que je vois. Je me considère comme un filtre presque visuel. Qu'est-ce que j'expérience dans la média, dans les événements de tous les jours, et comment je transmette cette expérience visuellement. Bon, d'abord, il y a quelques photos d'enfance. Là, vous voyez à droite, c'est mon école en France. Et c'était une école de Rudolf Steiner. Et à gauche, c'est l'école publique américaine. Et tout en haut, à droite, ça, c'est dans un an, je faisais des allers-retours entre la France et l'Amérique, et quelque part, j'étais toujours un peu en dehors, en touriste, en mode un peu touriste. Et là, on me voit en haut, à droite, avec le béret. C'était mon père, je revenais juste de l'Amérique, et mon père voulait un peu confirmer mon identité française. Et alors, je suis le seul avec un béret, curieusement. Et me voilà en haut, à gauche, école publique américaine. Et pour moi, c'était une assimilation assez difficile parce que, quelque part, étant français en Amérique dans les années 80, c'était à l'époque de Reagan, de Rambo, et c'était une certaine ignorance américaine. Et les gens, je m'en rappelle, ils me considéraient un communiste. J'étais à l'école, c'était le communiste. Et là, bon, là, je montre plusieurs images pour essayer d'expliquer. J'avais une vie un peu sauvage, déplacée. Ma mère, on voyageait beaucoup. Et là, on était au Mexique, et quelque part, tout ça, ça a informé mon travail, un peu déraciné. Grandir en Californie, le surf a joué une grande partie de mon enfance en Californie. C'était devenir en Amérique après la France, c'était un grand changement. C'était le Wild West, la Californie, comparé à mon expérience parisienne quand j'étais petit. Puis j'ai grandi à Los Angeles, et après, j'ai fait mes études un peu à Santa Barbara. C'est pas le Santa Barbara de la série, l'Amérique, c'est pas tout ce que vous voyez à la télévision. Et j'ai commencé en céramique, en fait. J'ai commencé en céramique, et je faisais, figurez-vous, des tam-tams en terre cuite que je vendais sur la plage à Venice Beach, en Californie. Je vendais sur la plage à Venice Beach. Et mes parents s'inquiétaient un peu. Et voilà les photos des tam-tams que je vendais et les clients de mes tam-tams. Et mes parents étaient, oui, en effet, un peu inquiets. Et là, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans et je commençais juste la céramique. Pour moi, c'était un peu le départ de mon... J'étais toujours artistique, mais c'est vraiment que quand j'avais 19-20 ans qu'il fallait que je trouve une direction, une voie. Et je me suis un peu mis... à la céramique, et éventuellement c'est devenu de plus en plus sculptural et après plus dirigé vers la peinture. Alors là on voit un peu de Picasso, après des antiquités. Enfin, j'étais influencé, j'étais très jeune, le minimalisme, je me suis fait un peu toutes sortes de phases avec la céramique. Et puis
j'ai décidé de déménager à San Francisco pour aller à l'école à San Francisco. Et là, nous voilà, en fait, on était intéressés par... on peignait des paysages, on était presque paysagistes à San Francisco. Là, on est installé le long d'une autoroute, curieusement. Et ça, encore, ça, c'est encore mon travail en céramique. J'ai une bourse pour aller à California College of Arts and Crafts à San Francisco, qui a une riche histoire de céramique et aussi de grands peintres américains, mais qui ne sont pas forcément reconnus en Europe, mais Robert Bechtel, Diebenkorn, enfin. Et ça, c'est vraiment la toute formation. Là, j'avais 22, 23 ans. Et c'était un peu capturer la banalité suburban américaine. Et ça, c'est encore comme des fresques. C'est tout en terre cuite et des pigments en céramique, en fait. Et ça, ça a presque maintenant... C'est 1995. Ça aussi, encore en céramique. J'étais à San Francisco. Et quelque part, c'était je me suis dit, il faut vraiment que je m'intègre in the belly of the beast, comme on dit en anglais. Et je suis parti... Je suis parti pour... ah non, on n'est pas encore à ce moment-là. Pardon. Et là, par exemple, oui, je faisais de la poterie, de la porcelaine, mais en même temps, vraiment, ce qui m'intéressait plus que la poterie et la porcelaine, je me rendais compte, c'était les images américaines. Colonel Saunders, c'est un icône du fast-food américain, l'avion, la maman, l'hôtel. C'était un peu un free association d'images américaines quotidiennes. Là, en même temps, on faisait des graffitis à San Francisco, un peu, enfin, moi, je ne me considère pas du tout graffiti artiste, mais on faisait des silhouettes, un peu de ça, c'est un pote à moi, et on faisait des silhouettes peintes, à pinceau, pas du tout à la bombe acrylique, à pinceau, dans la rue, à San Francisco. Ça, c'est fin des années 90. Et ça, c'est un de mes tout derniers portraits en terre cuite, mais en fait, c'est une diptyque, c'est deux tableaux. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que, en fait, le touriste continue son aventure et il fallait que je parte pour New York. Et ça, c'est aussi en céramique. On voit les pigments en céramique. C'est un petit tableau. Et je suis parti à New York en 2000. Et ça, c'est une carte postale qu'un ami à moi a fait juste après le 11 septembre. Et c'est vrai que j'ai vécu un an avant le 11 septembre, mais c'était une énorme... oui, bien sûr, le 11 septembre, c'était plus gros que capable de décrire l'expérience. Et je venais de commencer mon première semaine d'université et boum, le 11 septembre arrive et c'était un gros choc et un gros... c'était une expérience qu'on ne pouvait pas l'ignorer. Et ça, c'est un des tout premiers projets que j'ai fait. Je me suis décidé, tout le monde était en panique, survie, qu'est-ce qu'on va faire, attaque chimique à New York, nanana, et ça s'est rentré dans une parano. Et j'ai créé un bateau, en fait. J'ai pris un bateau en cas de s'échapper, j'ai fait avec des tuyaux en plastique, des choses que j'ai trouvées dans la rue. Je me suis créé un catamaran en cas de... Mais heureusement, il n'y avait pas trop de vent, parce que ça aurait mal passé pour moi. Mais voilà mon premier projet. Bon, ça, c'est un de mes tout premiers tableaux que j'ai fait à Hunter College en 2001. Oui, je commençais juste le... Et c'était, on organisait des manifestations. On allait à Washington D.C. pour protester la guerre. Et ça, ça s'appelle Peaceful Protesters in English. Ça, j'ai fait une série de cartes. Ça, c'était ma première expo à New York. En fait, j'étais encore à Hunter College et j'ai eu la chance. On avait les portes ouvertes des ateliers. J'ai eu la chance qu'un jeune agent m'a proposé une expo. Ça, c'est un des premiers tableaux que j'ai fait pour cette expo. Et ça, oui, c'est en effet la carte de l'Amérique et toutes les cartes et tous les autres pays à l'intérieur de l'Amérique. C'était à l'époque la dominance américaine et Go America, tout le monde était pro-guerre, enfin pas tout le monde, heureusement, mais c'était très... Et je me suis dit, bon, l'Amérique, le monde l'appartient, alors je vais mettre le reste du monde dans l'Amérique. C'était un peu, oui, une blague, hein. Enfin, c'est dans mon atelier à Hunter College, j'avais fait un treehouse qui était devenu comme un point de rencontre pour des amis, des étudiants dans les ateliers à l'école. On venait là discuter, boire des bières, et c'était un treehouse, et c'est là que j'ai exposé dans ma première expo à New York. Et c'est grâce à cette première expo qu'a lancé ma carrière, où j'ai eu une revue par Jerry Solds et New York Times, et c'est là où c'était un peu le American Dream Success Story qui a un peu créé
ma carrière américaine. Et tout ça, c'est les tableaux de ma première expo. Bon, je ne vais pas expliquer tous les tableaux parce que... Mais beaucoup de mes tableaux sont inspirés de voyages. J'ai fait des voyages en Amérique centrale et j'ai un ami qui habite là-bas. Il y a beaucoup de expatriates, comment dire, des expats. Et j'étais tombé sur une commune d'Allemands et d'Hollandais où ils vivaient plus ou moins tout nus dans cette commune. Et je trouvais ça, j'étais intéressé par ces petites communautés marginaux qui recréaient leur sorte de monde, de micro-monde. Media Information Transmission Center, ça s'appelle ce tableau. Moi, j'ai pas préparé un texte, j'ai pas vraiment fait mon devoir comme tous les autres. Je suis américain aussi. Huge blowout sale, c'est un peu un jeu sur les mots, c'est l'image et le texte, et quelle est la relation entre l'image et le texte un huge blowout sale, c'est une grosse vente, mais un blowout, c'est aussi un pneu qui dégonfle. C'est aussi le prospect. Oui, en effet, c'est le capitalisme à fond, mais il y a cette capacité aussi que ça s'écroule. Advertise here, ça c'est en Amérique typique, on voit des grandes annonces. Mettez votre pub ici. Et moi, j'ai mis mon numéro de téléphone à l'époque. J'ai dit, celui qui achète ce tableau, et il pourra avoir... Ils pourraient avoir leur pub dessus, mais ils l'ont gardé comme ça. Et c'est plus mon numéro de téléphone. Neil Young, parfois les tableaux, ça, il s'agit de vision et pas de langage. Et parfois de toujours expliquer tout et de déconstruire toute la peinture. Ça, c'est une peinture qui n'a pas besoin d'explication. Ça, j'avais fait un voyage avec... mon ami à l'époque, et on avait vu La Radieuse à Marseille, et c'est vrai que j'étais inspiré par, en même temps, cette architecture utopique, mais en même temps brute et presque fasciste et presque invivable. C'est un peu une contradiction des deux, et quelque part, ça m'a inspiré. C'est utopique et en même temps dystopique pour moi. Et quelque part, mon travail, on est sur ce chemin, et ça a le potentiel d'aller entre les deux chemins, et quel chemin est-ce qu'on va prendre ? Human Resource Center. Ah oui, il faut parler technique. C'est l'huile. Technique, c'est difficile d'expliquer. Technique, c'est l'huile. Je travaille sans dessin, sans photo. J'attaque direct dans le tableau. J'ai pas de plan. Et c'est souvent... c'est drôle. C'est très intuitive, comme on dit en anglais. C'est inspiré de mon expérience américaine beaucoup. Ça, c'est typique. Ça, c'est la banlieue où j'habitais à Los Angeles. C'était le lieu typique où les jeunes kids du high school allaient faire la fête au-dessus des banlieues californiennes. Et là, voilà, typique banlieue californienne. Et un peu, nous, on était un peu en dehors, on recule en dehors de la société typique californienne. Ça, c'est le shopping mall américain typique pour. Pour les Américains même qui habitaient là-bas, c'était pas forcément quelque chose qui... Mais moi, j'avais encore, même maintenant, à 42 ans, et ça fait 30 ans que j'habite en Amérique, j'ai encore, quelque part, une expérience de l'extérieur. Et même ici, en France, quelque part, je suis en fait, quelque part, dans l'Atlantique, au milieu des deux pays. If you see something, say something. Ça, c'était dans tous les métros, après l'11 septembre, la paranoïa new-yorkaise... Qui a été créé pour justifier une guerre et à nous rendre tous peur. Et c'est vrai, en effet, et c'est quel texte ridicule que ça veut dire. Et si tu vois quelque chose, dis quelque chose. On voit beaucoup de rire. J'ai fait des surveillance cameras en papier. Et je les mettais dans mon expo parce que je me suis dit, si jamais quelqu'un pense, ils ont une idée. Ah oui, alors beaucoup du travail à l'époque, c'était 2005, c'était la hauteur de New York, une certaine surveillée, d'une paranoïa, et quelque part, je voulais... Qu'est-ce que ça voulait dire de voler dans un avion après le 11 septembre, la paranoïa américaine, le mal à l'aise. On t'écoute, on voit les voisins. Enfin, c'était vraiment un climat
et ce l'est encore, mais moins extrême. Mais... Ça s'appelle After the Gold Rush. After the Gold Rush. C'est une chanson de Neil Young, mais ça veut aussi After the Gold Rush. C'est en Californie quand il y avait le Gold Rush, il y avait l'or. C'est après que tout le monde est venu pour l'or et qu'ils ont un peu vidé. Et c'est un peu la relation entre la nature et l'homme et cette disjuncture, comment dire, disjuncture. Disjuncture. Ah oui. Là, c'est surtout à l'huile, mais il y avait quelques éléments où j'ajoutais un peu la bombe, spray paint. Bombe aérosol. Alors, c'est un peu un mélange, c'est pas tout à fait. C'est pas de l'huile, de la peinture à l'huile pure et dure. Parce qu'en fait, moi, j'ai étudié la céramique, en fait. Alors, ma technique de peinture s'est plus ou moins développée en travaillant la céramique et les pigments. Alors, je n'ai pas vraiment eu une éducation traditionnelle de peinture. Et ça, c'est... Pardon ? Oui, il y a parfois du... En fait, souvent, je commence les tableaux. Oui, comme je dis, souvent, je n'ai même pas de plan. Vraiment, je commence juste un tableau avec juste la réaction de mon intuition de couleur ou de forme. Et j'attaque. Et oui, il y a du... Parfois, je ponce et je commence les tableaux très légers, ils ont l'air presque très abstraits. Je les commence presque au début, presque la peinture est très diluée. Plus je peins, plus j'ajoute de la peinture. Mais au début, c'est vraiment très... Bon, aussi critique que j'étais de l'Amérique, il fallait quand même que je me souvienne que c'était quand même encore le pays où, le grand espoir, où il y a encore tous les jours des gens. Ça, c'était un peu des images d'après les immigrants cubains ou haïtiens qui essayaient de venir à Miami. Et les voilà en petit bateau direction Miami. Ça s'appelle Newfoundland. De temps en temps, il y a des images qui sont inspirées d'images, ça c'est une image de New York Times, un soldat en train d'interroger quelqu'un dans une salle. Ça, c'était aussi un tableau qui était d'après... c'est trop compliqué. United we stand. Oui, parce que c'est la grande expression américaine. United we stood, je l'ai mis en passé, parce qu'à l'époque, c'est de la grande expression américaine. United we stand, on est tous ensemble. Et comme Bush a dit, si vous n'êtes pas avec moi, ou you're either with us, il n'y avait pas d'entre. C'est, ou bien vous êtes avec nous, ou bien à la porte. Il n'y a pas de... Alors moi, j'ai joué un peu avec le jeu de mots, j'ai dit « United we stood ». Et ça, c'était exposé à l'expo, à PS1, Greater New York, une grande expo, et après, chez Saatchi. Voilà, ça, c'était après... Ça s'appelle « Blind Faith and Tunnel Vision ».« Blind Faith and Tunnel Vision ». C'était l'idée, quand on a envahi l'Irak, qu'on allait... C'était blind faith, c'est juste... je ne sais pas comment traduire blind faith, mais l'idée, on fonce droit devant, et on y va, et avec l'espoir de qui sait de qu'est-ce qui va se passer après. Mais c'était, j'aime la tension, que ce soit potentiellement un arc-en-ciel ou une explosion, que ce soit entre les deux mondes. Et c'est à peu près cette taille, le tableau. Un peu plus petit, quand même. Mais c'est presque la taille du tableau. Oui, alors à l'époque, le travail était vraiment influencé par mon expérience américaine, les élections, George Bush, c'était difficile à ignorer. C'est pas que j'étais un artiste politique, c'était juste un artiste sensible à mes entourages. C'était pas que j'étais là G8, mais c'était juste... Ça, c'était une sorte de graphe de tous les sponsors... des compagnies qui donnaient le plus d'argent aux républicains. J'ai fait une sorte de chart flow. Et là, par exemple, on voit le bois. Je peins pas sur toile, je peins sur bois. J'aime une structure rigide. Et là, on voit encore la texture du bois qui a fait la table, en fait. J'ai juste mis un vernis très fin sur la table et on voit la transparence et on voit le bois dessous. Ça s'appelle Ambitious New Plans.
Ça, c'est un hôtel typique de Miami. Je devais faire une pièce pour une foire d'art à Miami. C'est les foires, maintenant, sont devenues presque plus importantes. C'est une grande frustration. Elles sont plus importantes que les expos de musées ou les expos de galeries parce que tout le monde voit les foires. Mais les foires, ce n'est pas un bon contexte pour voir l'art. Ça s'appelle « poor vision ». Bon, ça, ce n'est pas un projet dans lequel je suis vraiment fier, mais ma deuxième expo à New York, j'ai fait construire une voiture. Un pote à moi a dessiné cette voiture, a fait construire une vraie voiture qui marchait et qui avait tout pour survivre en cas de natural disaster. C'était un peu, je jouais un peu sur la paranoïa et la vente de la peur. Parce qu'on a bien que c'est devenu presque oui, une industrie, quelque part. Et la voiture avait tout ce qu'il fallait pour, en cas, il y avait même un nuclear fallout suit à droite, en cas de... c'était tout pour en cas de... Oui, en fait, c'est un peu chronologique, ma présentation. Là, il y a écrit « We regret to inform you there is currently no space or place for abstract painting ». À l'époque, j'étais vraiment... Je vous regrette de vous informer, il n'y a plus d'espace pour la peinture abstraite. J'étais vraiment presque enragé par la situation politique américaine et je niais toutes sortes d'abstractions. Je trouvais l'abstraction une sorte de masturbation dans soi-même, sans vraiment rien de concret. Il n'y avait pas vraiment de message en dehors du langage intérieur de la peinture, que ce soit composition ou ligne. Je me suis dit, on est dans le 21e siècle, qu'est-ce qu'on s'en fout de la composition ou de la ligne ou de forme? Il y a plus d'importance que ça. Alors j'ai essayé un tableau abstrait. mais quelque part, pour le rendre concret, j'ai quand même mis des sortes de cordes autour. Et ça l'a créé comme une sorte de stade. Et ça s'appelle « boxing your subconscious ». Ça veut dire, comment dire, « boxing », essayer de le ouais, son inconscient. Alors j'ai tenté, mais j'avais rien dans lequel j'avais pas assez de conviction dans une image ou une idée. Et là j'ai eu un ami proche dans ma vie qui est mort, et là j'avais quelques œuvres qui avaient vraiment lié à une sorte de réflexion sur la mort et une sorte de... Ça c'est une sculpture que j'ai faite. Ça, pareil, on voit le bois, on voit la structure en dessus. Je me suis servi, j'ai pas caché le fait, je me suis dit, je vais pas peindre le plancher en bois, j'ai déjà le bois. Alors j'ai gardé la structure en bois pour... Oui, alors, chances are we'll have to leave. Et en effet, je me suis dit, c'était en 2005 et je voulais m'éloigner de l'Amérique. Alors je suis parti à Berlin pendant un an. Et j'ai décidé, je voulais m'éloigner des politiques américains, de la politique américaine et de ces sujets américains qui commençaient à consommer mon travail. Je suis venu à Berlin. Et c'est vrai que c'était un challenge parce que c'était une culture que je ne connaissais pas. Et tout paraissait assez... Ça, tout marchait plus ou moins bien. Tout le monde était plus ou moins... Il n'y avait pas cette... Je ne sentais pas l'angoisse américaine. Tout fonctionnait plus ou moins, même les... Là, c'était un peu, d'après les grandes images qu'on voit à l'Allemagne de l'Est, c'est une sorte d'architecture brute. On imagine les films de Leni Riefenstahl, sauf que maintenant, c'est toute une nouvelle configuration. Maintenant, tout d'un coup, c'est complètement organique. Ça m'intéressait, cette transition entre ce qu'il y avait il y a 50 ans, et tout d'un coup, c'est devenu, 50 ans plus tard, c'était vraiment l'opposé total comparé à l'Amérique. C'était beaucoup moins, justement. C'était l'Amérique qui ressemblait plus... Ça s'appelle « Little Men, Big Map », « Petits hommes, grosses cartes ». C'était un peu une métaphore pour les Américains en Amérique, en Irak, quelque part. Mine de rien, oui, on ne sait pas lire la carte, en fait, on ne comprend pas vraiment. Et c'était aussi une opportunité pour faire un tableau abstrait. La carte, tout d'un coup, ça permet, une image dans l'image permet un alter ego, de sorte. C'était un peu mon expérience en Allemagne, tout seul, en face d'une grande montagne glaciale. Voilà. Ça, c'était les dealers dans le parc de Berlin. C'était assez délicat parce que les dealers étaient africains
et les policiers. Enfin, tout d'un coup, après Hitler, après la Deuxième Guerre mondiale, tout d'un coup, il y a une certaine sensibilité de cette autorité, de cette tyrannie. Alors, tout d'un coup, c'est très délicat. Et là, on voit, de loin, on voit les policiers allemands qui arrivent. Ils sont habillés tout en vert, ils sont gentils. Et là, on les voit courir après pour essayer de... Quelqu'un sait qui c'est, lui ? C'est le président de l'Autriche. Personne... Et ça m'intéresse ce tableau parce qu'il regarde une carte que j'ai faite de la Californie. Et moi, quand j'étais en Allemagne, je me suis dit, en Allemagne, il y a encore cette culpabilité de l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Et je dis, mais en Amérique, notre holocauste des Indiens, on n'en parle pas. Alors moi, j'ai fait un peu une carte de la Californie. Et ça, c'était toutes les différentes tribus indiennes en Californie. Alors je voulais faire... Ça, c'était encore à Berlin, dans les stations de train. Il y a comme les petits modèles de voilà le petit train qui marche parfaitement. La petite ville idyllique allemande, Bavarian, the perfect Bavarian life. Mais en même temps, ça marche pas tout à fait. Et c'était un peu aussi un métaphore pour mon expérience en Allemagne. Voilà l'Allemagne, mais moi j'étais derrière la vitre. Je me sentais un peu. Alors, ah ça c'était drôle. Ça c'était. Oui, j'avais... Oh, merde. Ah, non. J'avais vu une manifestation le soir sur un bateau, il n'y avait personne, ils étaient tous sur un bateau à manifester ensemble, je ne sais pas quoi. Et les voilà, et je trouvais ça, et ça a inspiré ce tableau. En fait, moi, je suis juste ouvert à... Quand je fais une expo, je ne me dis pas, ah, c'est, voilà le thème de l'expo, je vais faire ça. Pour moi, la peinture, c'est comme un road trip. On part en aventure, je ne sais pas où on va aller. Et on y va. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai pas de dessin, j'ai pas de photo. J'attaque. Et puis je suis rentré en Amérique. Et j'ai dû faire. Je devais faire. Oui, encore des pièces pour des foires. Et ça m'embêtait de faire des pièces. Et c'était à l'époque où on pouvait vendre n'importe quoi que je faisais parce que c'était juste un hype. Il y avait juste le buzz. Et c'était juste. Et à un moment, on paraissait juste un investissement. Et ça m'énervait, cet élément du monde de l'art. J'ai dit, je vais vraiment les challenge, je vais faire un portrait de mon dealer à l'époque. Ça ne se dit pas un dealer. Ça se dit, je veux dire, mon marchand. Oui, en anglais, c'est dealer. Non, ce n'est pas mon portrait de mon... Et j'ai fait mon portrait de mon agent. Et je lui ai dit, tiens, essaye de vendre ça. Et mine de rien, il a réussi à le vendre. Mais c'était un peu une blague. C'était une blague sur... Et c'est les pinceaux et les crayons qui font sa barbe. Et ça c'est 2007, 2008. On a combien de temps encore ? 10 minutes ? Ouh. On a encore 120 images. Alors, oui, alors je rentre... Et ça s'appelle... Là, je commençais à intégrer du texte avec l'image, et ça s'appelle « Think globally, act locally ». C'est une expression américaine. Non, oui, c'est une expression. J'ai repris l'idée. Enfin, je n'ai pas assez de temps pour ça. Et en retournant de Berlin, j'ai acheté un petit immeuble à Brooklyn que j'ai créé dans un sorte de centre de communauté où il y avait toutes sortes de... Il y avait du yoga, il y avait des concerts, il y avait des cinémas. J'ai fait ça pendant 3 ans, en même temps que je peignais, et c'était de la folie. Alors, je vous montre très vite des images, et après, je me suis remis à peindre. Alors, ça, voilà le lieu au début. C'était vite une transformation, et c'est devenu un lieu où j'avais des concerts. J'ai fait une foire d'art dans mon... Maintenant, c'est mon atelier. J'avais fait une foire d'art, il y avait des cinémas, il y avait des performances, il y avait des théâtres, il y avait l'église d'à côté qui louait pour des baptêmes. Enfin, c'était... C'est de la folie. Ça, c'était samedi soir, ça, c'était dimanche matin. Et en même temps, j'essayais de peindre. C'est ça qui est drôle. Ouais, samedi soir, dimanche matin. Coexiste, ouais, c'était ça l'idée. Coexiste. Et oui, j'essayais de faire un tableau abstrait, mais j'étais obligé d'avoir le texte pour essayer d'expliquer quelle était l'idée. Sinon, c'est dit, c'est quoi tous ces carrés? Et voilà, ouais, voilà l'espace, on avait des concerts NY Anarchist, Black Cross, enfin, Human Liberation, Animal Liberation, enfin, c'était de la folie.
Et en même temps, il y avait... Alors, j'ai fait ça pendant, oui, pendant 2-3 ans, ça posait des problèmes. Et puis, je me suis remis... Non, je peignais tout le temps, mais quelque part, c'était quelque part... c'était comme c'était presque mes idées transformées en réel, quelque part. C'était un peu... C'était une idée, presque un fantasme impossible d'avoir un lieu qui peut faire tout. Et c'était une sorte de petite utopie que j'ai créée moi-même, en fait. Et là, la tension entre l'abstraction et la représentation, j'étais quand même... ça, c'était un peu presque... Comment dire, un denial of representational painting. Et là, on peut voir, je mélangeais des tableaux en même temps d'images et d'abstraction. Je tentais des tableaux abstraits et en même temps, ça c'est un portrait, un paysage et une abstraction, tout dans un. J'ai essayé de. Alors j'étais un peu à la recherche, j'ai essayé de. Enfin, je suis toujours à la recherche. Le voyage. C'est un détail du tableau. La puissance et l'absurdité de la nature et l'homme et la vulnerability de... Il faut que je tienne maintenant. Ça, c'était en Floride, il y avait une partie de près de Miami, une des petites îles où il y avait des gens qui habitaient dans des situations un peu précaires, sur des bateaux. Je suis inspiré parfois par ces petites sociétés marginaux qui se disent « Bon, ça, je résiste et moi, je vais faire mon truc à moi en dehors de ça. » Ça, c'est pareil. Ça, c'était, j'avais voyagé au Costa Rica, au Nicaragua, et ça, c'était d'après des campements de gens qui étaient là pendant 3-4 mois Ah, voilà mon atelier, technique, atelier. Et là, c'est un pochoir sur le tableau rond. Là, c'est un pochoir, justement. C'est du scotch et les parties découpées. Ah oui, d'accord. Et là, le tableau tout à gauche, vous voyez, là, je vais vous montrer justement. Voilà comment ça commence. Au début, c'était juste des craies de oil stick, comment dire. Et je commence juste comme ça, ces traits. Je ne sais pas quel. Je n'ai pas de plan, je vois. Et je commence, et voilà. Et tac, et tac, et tac. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, bon, d'accord, on fait les feux d'artifice en explosion. Et je n'essaie pas de trop analyser ou de trop conceptualiser l'idée, j'essaie juste de vraiment trust mon instinct. Et quelle est la découverte? Moi, je suis curieux moi-même, qu'est-ce que je vais découvrir? C'est moi qui essaie de donner un tableau, essaie de faire des abstractions. Ça, c'est aussi grand que... Ça, c'est cette taille-là, le tableau. Il est énorme. Violent peace, violent healing. J'avais besoin du texte, sinon c'était que des lignes et des couleurs. Il fallait que... Ça s'appelle « I infect you, you infect me ». À l'époque, j'étais dans une relation un peu toxique. Et c'était un peu cette tension-là. Ça s'appelle Your Technology Fails Us. You, me, enfin. C'est un peu l'obstacle de la peinture. Parfois, c'est juste une énorme pierre dans la route. Et tu ne sais pas comment. Ça, c'est génération Facebook, Instagram, ordinateur. Les gens perdus dans leur monde, l'autre monde. C'était une installation à Deitch Projects à New York en 2010. Clint Eastwood. Ça s'appelle Holy Arab. Cette idée de en Amérique, comment faire une guerre où l'ennemi a pas de c'est juste une image générique. Il y a pas de tenue de guerrier de en quotes l'arabe. C'est juste et cette challenge pour le... encore plus de tourisme. Là, je suis parti en Inde et ça a influencé un voyage à moi. Et j'ai eu une sorte de premonition, comme on dit.
fait, j'ai fait ce tableau avant que je sachais que j'allais aller en Inde. J'ai fait un tour de moto en Inde. Pendant 5 semaines, on est allé du New Delhi au Népal en Inde. C'était le truc le plus fou que j'ai jamais fait. Et j'ai appris à faire de la moto en Inde. Et ce s'est mal passé, en fait. Et c'était... Voilà mon expérience. C'est vrai. Et ça m'a vraiment marqué quelque part. Parce que j'avais fait ces tableaux avant, mais je ne savais même pas que j'allais aller en Inde et que j'allais... Enfin... Ça s'appelle Dismounted. Dismounted, comme le cheval. C'est une image que j'avais vue dans un livre. C'est rare, mais de temps en temps, il y a une image qui m'inspire en dehors de ce que je vois. Et ça, c'était un peu l'idée d'Obama, le grand chef. C'est une image d'un chef indien. J'ai enlevé le chef indien. On voit encore un peu le ghost du chef indien. Et c'était un peu un symbole ou un métaphore pour Obama. Le grand espoir, mais en fait, quelque part, le chef était démonté. J'ai dû faire une affiche pour le Metropolitan Opera à New York. Mais il y avait aussi devant, il y avait tous des travaux devant. J'aurais dit, j'espère que ça ne vous gêne pas, mais j'ai mis tous les travaux devant. Et tous les... Voilà encore une autre... Vous voyez, en fait, je travaille sur tous ces tableaux en même temps. Je n'ai pas un tableau singulier, je travaille sur une dizaine ou une quinzaine de tableaux. J'en commence un jour, mardi j'en commence un, mercredi j'en commence un autre, celui de mardi et 5 jours plus tard, je continue. Je suis toujours un peu en cycle d'un tableau à l'autre, en fait. Je bondis d'un tableau à l'autre. Ceux qui m'intéressent, celui en jaune, voilà, un tableau commence aussi bêtement et simplement que ça. J'aimais bien le vert et le marron, j'ai mis 2 traits, je ne sais même pas qu'est-ce que c'était. 3 jours plus tard, j'ai dit, maintenant je vois, et c'est vraiment aussi... Ça peut être aussi abruti que ça, parfois, d'être créatif. Mais j'ai fait une série de sortes d'explosions ou de Big Bang, ou c'est encore de nouveau quelque chose. Est-ce que c'est un orgasme ou est-ce que c'est une explosion? Est-ce que j'aimais la dualité ou la binary entre les deux, entre les... Ça aussi, c'est 2 par 3 mètres, c'est très grand. Je voulais vraiment être complètement submergé par l'explosion, la fleur. Qu'est-ce que... Ça aussi, c'est de cette taille, pour vous donner une idée un peu. Et là, on voit en dessous, en fait, en dessous, on voit dans le tronc de l'arbre, on voit cette sorte de rayure. Et en fait, ça, c'était juste un tableau avant... un peu abstrait que j'ai tenté, qui ne marchait pas, et j'ai gardé, en fait, pour moi, c'est ça que j'aime de la peinture, c'est que, quoi que ce soit, c'est que des couches et des couches et des couches, alors ça ajoute une richesse au tableau, en fait, pour moi. Alors, ça, c'était juste, j'ai réagi au tableau d'avant, je n'ai pas peint l'arbre, j'ai peint le ciel qui a créé la forme de l'arbre, en fait. Là aussi, on voit pareil, les rayures en dessous de l'arbre, en fait, le tableau entier était de cette couleur-là. Et moi, j'ai peint le On a combien de temps encore? Alors, 5 minutes. 3 minutes? 5-10. Ça aussi, j'ai fait une autre série où je me suis dit, je vais tenter aussi quelque chose aussi futile de peindre le monde. Alors voilà, j'ai fait une série de tableau, mais en fait, c'est une forme d'explorer de l'abstraction, vraiment. C'est un monde, mais en fait, c'est que des formes et des lignes qui ajoutent à pas grand-chose de plus qu'un tableau abstrait, mais quelque part, ça encore, on comprend l'idée de ce sorte de trajectoire ou voyage ou... Là aussi, on voit la poche, vous voyez là,
la poche où j'ai dessiné le profil de la... Maintenant, je ne travaille plus avec les... Ça, c'est un scotch que j'avais mis. J'ai peint dessus, j'ai mis le scotch et j'ai découpé des parties. Je dessinais, on voit les bateaux que je découpais. Et après, je les peignais. Tu vois, le profil blanc, boum, je l'ai peint blanc et bam, j'ai enlevé le scotch. Pangea, ça s'appelle ça? African American Studies. J'ai mis l'Afrique dans... Je me suis rendu compte que quelque part, l'Afrique pouvait rentrer dans l'Amérique et ça, quelque part, il y avait ça, le Kenya et où le Texas est, l'Égypte et où la North Carolina. Et j'ai superimposé les deux. Parce que c'était aussi à l'époque, tout d'un coup, cette grande peur en Amérique, on va peut-être avoir un président noir, c'était quand même radical. Ça s'appelle Psychedelic Soldier, ça s'appelle ça. C'est un peu... C'est un peu en référence d'Apocalypse Now, et aussi maintenant, en ce moment, il parle de traiter les soldats de la guerre de l'Irak avec peut-être des champignons psychédéliques pour stresser, pour travailler leur trauma, pour quelque chose, avoir une sorte d'ouverture. Alors j'ai appelé ça le psychedelic soldier. Et en même temps, jouer sur l'idée du camouflage et de le faire complètement anti-camouflé. Ça, c'est le Boys Club. Et ça j'aime parfois avoir la permission d'avoir d'autres tableaux dans les tableaux. Ça permet quelque part un alter ego de sorte. D'avoir... Et là, derrière, c'est la patriarchie, c'est la patrie, enfin, c'est les précédents, c'est le poids de l'histoire, c'est un peu le Boys Club, oui, américain. Toujours des images de gens en train de fuir. On voit tellement de, dans les nouvelles, dans les médias, c'est toujours des images de gens en train de s'échapper, en déplacer. Ça s'appelle Idle Hands, idle comme mon idole, mais en même temps. Et cette idée que tout le monde a un mentor, tout le monde représente sa cause et personne n'est quelque part uni, où tout le monde est là à lutter ou pour leur idée ou vision. Le spectacle de la guerre. Enfin, ça ne s'appelle pas ça, mais ça me fait penser à ça. Illuminated. Oui, cette possibilité de... Oui, les trois quarts en haut, c'est un tableau complètement abstrait, mais quelque part, j'avais quand même besoin encore d'avoir quelque chose de concret, ou que ce soit des feux d'artifice, des explosions, mais que la proportion soit tellement grande que ce soit presque une menace. Encore une tentative à une peinture abstraite, mais je devais quand même avoir des mains pour avoir quelque chose de concret qui me faisait penser aux cave paintings, quelque part. C'est Bradley Manning. Ça s'appelle Looking for Jesus and Osama. On cherche Jésus et Osama. Ça, c'est d'après un tableau de Matisse. Ça s'appelle Tanger 1912-2012. En Amérique, c'est encore un peu un tabou d'être un peintre blanc et de peindre une femme, alors surtout une femme noire. Et ça, c'est une amie à moi. Et moi, j'ai décidé, tiens, je vais foncer plein dans le tabou. Je vais faire ce qu'il ne faut pas faire. Et je vais peindre mon amie qui est noire, qui est tout nu. Et je suis un homme blanc. Et voilà, et c'est tout. Parce que parfois, il y a un certain politically correct qui devient presque... On devient presque incapable de rien faire ou d'exprimer. Et moi, je suis rentré plein dedans et j'ai voilà. Ça aussi, c'est une amie à moi. C'est une expo à Londres, il y a un an. Chez Victoria Miro. Là, on voit un peu une idée des proportions et des tableaux.
Encore des gens en train de fuir. On a fini là, non? Je ne sais pas pourquoi ils sont tous trop grands là. On peut passer aux questions, non?